Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce troisième épisode sur l'ombre de la guerre. Ouh, avec l'épée d'or qui brillait complètement. Bon, ok. Bonjour. Je cherche des orques. Ça devrait pouvoir se trouver facilement. Du coup, j'espère que le son c'est bon. Nous sommes ici. Nous sommes niveau 5. Nous avons un Ithildin ici. Nous avons un monsieur dans le coin. 4 monsieur dans le coin. Ah bah tiens, c'est une bonne région pour se balader, ça, je pense. Et il fait nuit. Ok. Copain, ça. Qu'est-ce que tu me chies? Ok, c'est pas du tout là où je voulais aller. Cependant, mes copains ont besoin de moi. Bonjour! Raté! Ah, je crois que c'est fait pour éviter. Ouais, c'était fait pour ça, je crois. Oh, bonjour! Tu aurais un trésor pour moi? Bonjour! Crac, 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 crac. Voilà. Ça faisait longtemps que j'avais pas poignardé un orc. J'aime de richesse. Comment ça, de richesse? Il faut 1000 points. Ouais, 250. Placer la gemme. C'est quoi, gemme de richesse? Oh. Oh, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est intéressant. Il faudra vraiment que je me renseigne là-dessus. Ok, bon. Du coup, on a récupéré tout ça. Je vois des flèches ici. Ça, c'est cool. Bon, du coup, on va dans la bonne région cette fois-ci. Et on active. Hop, voilà. Crac. Snafu, le chanteur. Oh, t'es tellement beau, toi aussi. Hop. Push Grimp. Ok. Pousse, Grimp. Pousse. Je vois personne d'autre qui soit. Du coup. Et boum, karaboum, karaboum, te ya ya. Et raté, je pensais que ça suffirait. Bonjour. Commandant épique. Sacré-tu avec grande ardeur. Je clame ce chant de tout mon corps. Écoute, car cet interlude sonne ta mort. Je veux t'arracher les dents. Il est génial. Et je suis de ceux que jamais rien n'arrête. Ah bah lui aussi il chante maintenant. Ça y est, il commence tous à se copier. Raté. Il se bat avec un lutte en plus. Enfin, un lutte de guerre, on va appeler ça un lutte de guerre. Ah, j'ai pas réussi à l'achever. Ah, je peux pas sauter dessus. Raté. Il s'est pas enfui l'autre, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, c'est vrai. Juste oublié. Aïe. Raté. Je voudrais l'achever l'autre avec... Je préfère faire ça. Ah, c'est vrai, il fait pas. Je voudrais pas... Oh là, lâche-moi. Crac. Voilà. Est-ce que je peux garder... Ah non, même pas. Je voulais garder sa tête. Bah, en un sens, c'est peut-être pas plus mal. Parce que s'il revient, ce sera avec sa tête. Vous voyez ce que je veux dire? Raté. Ouh, un arc légendaire. Mais non. Non, moi j'en ai pas fini. Équipement rare. Merde. Oui, je suis au courant. Je suis au courant. Apparemment j'ai obtenu un arc épique. Donc là, cet arc-là, c'est exactement le même. Arc long numénorien.
de Snafu le chanteur, fut un tir à la tête avec sur un ennemi. Ouh! Les tirs à la tête provoquent toujours une explosion de la tête quand le compteur de coups dépasse 15. Ouh, ça peut être stylé! Attends, je prends mon cadeau! J'arrive! Salut! Oula, il y en a qui font tomber des choses. Hop. En fait, c'est moi qui vais te planter là. Précisément. Hop. Oula, j'ai esquivé un coup. Tiens, get ça. Hop les. Boum. Tu ne t'enfuiras pas. Ouh, je peux zoomer sur moi en plus au passage. Bon, c'était pas l'objectif, mais. Ah, une nouvelle cap. Alors, c'est celle-là. Une cape noire. Je mets la cape noire. Même si, ouais. Ouais, ouais. Ouais, elle est bien. Pendu. Bonjour. Raté. Bonjour. Shaq le survivant. Shaq, ça me parle ça, Shaq. T'avais. Justement, t'avais pas de. T'étais Shaq le guerrier avant ou un truc comme ça. Enfin, y'avait pas le. T'avais pas de. Raté. Dommage. Boum. Non, j'ai pas réussi à faire boum sur sa tête à l'autre là. Venez, je vous attends. Approche. Fouta. Ouh. À l'épreuve des flèches. Rien que ça. Vlac. Bah alors. Ça se bouscule dans ton slip, c'est ça, non? Raté. Viens. Non, je saigne pas. Je suis pas du genre à saigner. Les seules choses que je saigne... J'allais dire un truc sexiste. Un gul. Heureusement que t'es allé. Je sais, j'ai compris. Tiens, vas-y, regarde. Boum ta tête. Ah non. Il lui reste un poil de cul de vie. Te fais pas buter par le. Purifié. Je l'ai purifié. Le pauvre. Par contre, le gul, ça m'emmerde qu'il soit là. Je l'admets volontiers. Je suis pas en forme en plus. Tu disais? Ah merde, non! Mais fais-lui péter la tête! Bah alors? Je voulais attendre s'il y avait pas le. Ok, bon bah ça l'a achevé finalement. Ok, bon bah je récupère mes trucs. Et rond, petit patapon. Hop là. Quelqu'un? Y'a personne sur les... C'est dommage. Ah si, attendez. Il y a quelqu'un. Oh, il y a même un là-bas d'ailleurs. C'est joli l'endroit. Y'a des gens là-dedans ou... Apparemment non. Bouh. Ah! Ah, attendez, il y a un truc à aller faire. Ouh, qui c'est qui m'a vu et où? T'en sais rien. Tu peux dormir que d'un œil. Y a quelque chose qui m'aurait vu. Mais je ne sais quoi. Ok, on y va. Je vois des caragors. Je vois des choses. Avant d'aller, voilà, je vais tout simplement, hop, récupérer ça. Capitaine inconnu. Ohé, ohé, capitaine complètement inconnu. Un capitaine ennemi passe une épreuve. D'accord, oui, bah écoute, je vais... Oh, t'es stylé. Ah, t'es un épique aussi. Ouh.
Mal, t'as l'âme coupe, c'est bien. Incroyable. Ses jambes sont puissantes. Caragor qui a envie de manger derrière. Et je me fais fort de pouvoir repérer ce genre de choses. J'en fais la collection. Vas-y, attaque. Je te facilite la tâche. Vas-y, profite. Merci. Tu peux me donner des informations sur la... J'aimerais la recette du bourguignon. S'il te plaît. Gâche le lèche... Oh oui, oui, enfin non, il se fait lécher plus par les vers qu'il ne... Lèche des vers, à mon avis. Ouh, c'est triste. Bah, t'es caca. Vous m'attaquez pas ? Hop là. Bonjour. Ah bah merde, je me suis pris un truc. Qu'est-ce que c'est que ce bordel au niveau de mon... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Voilà, soumets-toi s'il te plaît. C'est pas du tout ce que je voulais faire, moi je voulais récupérer ta santé, mais écoute, je vais faire comme je peux. Terreur des gules, d'accord, ok, pourquoi pas. J'ai besoin de santé moi, s'il vous plaît. Santé! Merci. Ah! Non, ma bébête! Ma bébête! J'ai pas réussi. Putain, mais il est maudit ou quoi? C'est quoi ce bordel, c'est? Ça fait mal en plus, hein. Vache, il me fait super mal. C'est l'heure de la fuite, quoi. Alors, je veux bien croire qu'il y a une différence de puissance, mais tu me fais trop mal, toi. Aïe! J'ai encore pris un truc dans le dos! Aïe! Il va me falloir un peu plus que ça! Aïe. Ça va faire mal. Allez, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, fais pas chier. Vas-y. Quoi? Non! Il s'est enfui. Petite pite. Mais qu'est-ce qu'il me fait lui? Ah ça y est, je t'ai eu. Aïe. Eh bah dis donc. On a un trou du cul qui nous a fait excessivement mal, chers amis. Là pour le coup faut le dire hein. Je sais pas ce que c'est que ça. Gemme de guerrier.
Ouais, alors là, je suis sur le cul, franchement, chers amis. Attendez pas à souffrir autant. Je suis pas venu là pour souffrir. Mais alors, j'ai douillé sur le coup de la malédiction du bonhomme. Là, clairement, je sais pas si c'est lui le collectionneur. Ouais, d'accord. On y va, on va se venger parce que là ça ne va pas. On s'est pris une humiliation à la mort moelle-neuve. J'aurais dû faire. Il y a un drôle de bruit par moment. T'as rien entendu. Merci pour ta santé. Je peux plus le faire. Je peux pas le faire deux fois de suite. What? Merci. Ta tête. Voilà. Ok. Ok. C'est drôle, ça. Ok. C'est quoi ce bruit? C'était quoi ça? Ça me fait pas rire. D'accord, il y a des gules encore. C'est sympa ces petits. Mais non, tu m'as pas vu. Tu ne m'as pas vu. Tout ce que tu avais arrivé sur toi, c'était la mort. C'était sans doute des rats. Oui, c'était des rats. Vas-y. Je vais pas le prendre mal en plus. Oui, aussi, pourquoi pas. Fais des sauts de 40 km de long, t'as Lyon. Ça ne me dérange pas. Tu me diras. Ça changera pas d'habitude. Ok. Se venger! Les orques font un banquet. La puanteur du grog emplit l'air. Golm. Golm. Vengeance pour Golm. Enfin, sur Golm. Au feu, les pompiers, la maison qui brûle. Je fais des roulades. Viens, viens, je t'attends. Viens, je t'attends. Pour pas trop t'échapper parce que je prends tes jambes aussi. Ah bah tu l'as pas fait la dernière fois, je comprends pas, pourquoi donc? Oui, oui. Ah, j'ai rien dit. Parce que là, il se casse bien le cul quand même pour y arriver. Tiens. Tu souffres un peu, là? Tiens. Ouf. Non, tais-toi. Aïe. Il y a ses potes qui me tirent dessus, ça me pète les couilles. Si vous saviez, chers amis. Hop, désolé. Je vais récupérer quelques flèches si ça ne dérange personne. Vache. Ils me font mal, mais à un point. Suffit que j'ai celui-là. Merde, j'ai loupé. Allez. Allez, Marcus. Aïe. What? Ok, c'était facile. Le problème, c'est que j'en ai plus beaucoup des comme ça. Donc, merde.
Hop, toi je t'ai eu, je m'en fous. J'ai déjà choisi mon bras. Fais garder ta tête comme trophée. Meurs. Putain, les archers sont beaucoup plus... Enfin, les... Les mecs à distance sont beaucoup plus tendus que dans le dernier. Hein. Puis ils ont des espèces de... Non. Ah non. Non, 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 tu m'as foutu l'humiliation une fois. Non, je vais pas me faire avoir deux fois de suite. Putain, il se déplace vite en plus. Putain, il court vite. Non. Merde. Il court vite. Il court vite. Allez. Tiens, voilà, je t'ai eu. Une flèche dans le genou, tué par vengeance. C'est bon. La flèche dans le genou. Aïe. Non, pas de... Non. Tiens, dégage. Fuite. J'ai un manque de force certain dans la région. Allez, oula. Va dans la bonne direction, surtout, c'est tout ce qui m'intéresse, moi. Hop les. Ouh. Eh ben, c'est tendu du slip, hein. Le jeu est difficile quand il veut, hein. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai pas du tout le niveau. C'est possible aussi. Alors, j'ai récupéré des choses, quand même, hein. Est-ce que je peux aller voir mon équipement, s'il te plaît? Je sais plus trop ce que j'ai récupéré. Une épée? Une épée, apparemment. Épée de domination. Épée de rôdeur. Défi de déverrouillage. Davantage de temps pour rationner. Ouais, d'accord. Ok. T'es tendu du slip. Ah oui, on avait débloqué un truc ici aussi. Ouh! Ouh, la belle armure! Ok, bon. Et ben, le jeu est tendu du slip, mais on va avancer dans l'histoire un petit peu là, parce que là, ça ne va plus. Là. On n'avance pas du tout. Donc, on y va. On profite un peu, mais pas trop. Tu n'as rien vu. Ah, allez, monte. Hop. Hop, toi tu restes là parce que j'ai besoin de ton trésor. Ah, je voulais le choper. J'adore faire ça. Dans le premier, j'adorais les envoyer valser dans les autres. Mais j'avais plus de vie qu'à ce moment-là pour le faire. Tiens, ta tête aussi. Ah non, j'arriverai pas. Non, j'arriverai pas. Bon, t'as la tête dure. Bien joué. Merci. Oh, je l'ai manqué. C'est trop long à charger.
Allez. Heureusement que le mec m'a loupé avec sa flèche. Hein. Bah là, il m'a pas loupé. Faudrait des flèches. Hop les, yo. Yob. Ok. Ah bon, pardon, Groot. Je s'appelle Groot. Ok. J'avais pas compris que ça allait être Groot, mais... Why not? Désolé. Il était effectivement arrivé une couille. Ok, on y est presque. Fou. Taillou. On y est. La suite. Wouh. Histoire. Les ombres du passé. Récompense, aptitude, rage elfique. C'est parti. On y va. On avance un poil dans l'histoire. Au bout du troisième épisode, ce serait pas mal. Hop. Je récupère mes flèches, mais c'est bon. Comment je peux... Oui. S'il existe un endroit du Mordor hors de portée de Sauron, c'est ici. Ces Galgal nous rappellent que le Seigneur des Ténèbres ne peut être partout. Et donc, définis-moi Galgal. Ok, je crois que j'ai ma réponse. Pour le coup. Il y a bien longtemps, mon armée marcha sur le Mordor. Nous enterrâmes nos morts au combat dans ces Galgal. D'accord. Nos plus grands guerriers reposent en paix ici, protégés par une puissante magie. Nous avons tout mis en œuvre pour que les vertus des elfes nous suivent dans nos périples. Et tu possédais l'unique? Oui. C'est lui qui m'offrit une armée. Ainsi je menais l'attaque face à Sauron. Ouh. La musique? La musique va se faire foutre? Ok. Ouh! Rage elfique. Quand le courroux est plein, appuyez sur LR pour déclencher la rage elfique. Au cours de la rage elfique, appuyez à plusieurs reprises sur X pour tuer rapidement des orques soldats. Visez un capitaine ennemi avec L et maintenez X pour lui infliger un maximum de dommages. Vous avez aussi une puissance des tirs d'elfes illimitée pendant toute la rage elfique. Allons-y! Sauron a révélé sa trahison, j'ai pris les armes. Ma fureur m'aveuglait, j'étais déterminé à lui faire payer ses armes. Boum! D'accord, si je prends le moindre coup, je perds tout ce que j'ai gagné en termes de rage. Non, pas en termes de rage en fait, donc c'est le terme de... Aïe. Je perds pas tout en fait, on perd une partie. Ok, ça se passe plutôt bien. Putain, quand il tue quelque chose, lui, il récupère de la vie. Allez, Marcus, t'as 39 secondes pour récupérer tout ça. C'est quoi ce bordel? J'ai tué personne! Il aurait fallu quoi? Que j'aille dans la mêlée au début? J'ai pas compris en fait. Ça se trouve, il y avait un moyen de gagner le truc rapidement sans tuer trop de monde. Ouais, ça c'est ce qu'on avait déjà vu dans le précédent. C'est stylé quand même, faut reconnaître. Et c'est alors. Qui lit ça?
J'ai glissé, chef. Celui-ci, le nouvel anneau, n'est pas marqué de son ombre. Tu te répètes il un peu. Parfait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà le père de. Ou le grand-père de Celebrimbor était déjà. Enfin, correspond au forgeron qui s'est occupé des. Enfin, au joaillier qui s'est occupé des plus belles pierres. Des pierres. Donc, oui, bah oui. Ah, j'en ai fait 10 quand même. Ah, ok, cool. J'avais même été pas rendu compte que j'avais tué 10 personnes sur la fin grâce à la rage elfique. Mais, donc oui, voilà. Le grand-père de Celebrimbor était le joaillier qui a travaillé les pierres précieuses, donc les pierres magiques les plus pures de toute la terre du milieu. Enfin, même peut-être même du monde, je crois même, je sais plus. Parce qu'en fait, de là d'où viennent les elfes aussi. Bref, les ombres du passé. Révéler l'histoire de la première guerre du Mordor entre Celebrimbor et le Seigneur des Ténèbres en évitant l'émission. Casque de Spartan, enfin non, casque de soldat du Gondor, mission des ombres du passé. Une fois toutes ces missions accomplies, vous obtiendrez la rune du Seigneur de Lumière en terminant la perfection. Vous gagnerez le marteau du Seigneur de Lumière. L'anneau est perdu pour l'instant, mais nous pouvons récupérer le Palantir. Allons dans la grande. Rutelkrief. Idril s'y trouve. Elle pourra peut-être nous aider. Bon, on va pas faire ça tout de suite, on va d'abord s'occuper un petit peu de l'histoire. La porte de Tildin. Cette porte est fermée par une inscription de Tildin. Trouvez les fragments de Tildin. Oh la vache! Il y a du boulot, hein! D'accord, j'ai un certain nombre de trucs à trouver. Dans le pays des Mordor s'attendent. Ah, je sais pas. Ouais, je connais le. Enfin, je l'ai connu, je l'ai déjà lu quelque part. Disons-le comme ça. Donc ça c'est quoi? Drainage, domination, frappe puissante, frappe mortelle. D'accord. Rage elfique, pourquoi pas. Moi je vais peut-être plutôt prendre ça. En tout cas celui-ci, si je peux. Non, je peux pas. Bon bah tant pis. Dommage. Une flèche dans le genou. Ah, par contre ça peut être bien. Par contre pourquoi de la glace? Mais ça peut être pratique, vu qu'on voit à quelle vitesse les courent nos ennemis quand il s'agit de fuir. Autant s'assurer. Pas Sasuke, je la referai pas, pardon. Je peux pas grimper autrement, on est d'accord, hein, parce que je vois qu'il y a. Ils disent qu'il faut aller plus haut, mais non, c'est bon. Hop, du coup on bouge. Et je vois qu'il y a soit un Karagor, soit un Ghul. Un Karagor. Ils m'ont mis un moyen de transport. Alors faut savoir que les Karagors étaient beaucoup plus... beaucoup moins faciles à... Enfin, c'est pas qu'ils étaient beaucoup moins faciles, c'est qu'ils étaient complètement plus violents pour le premier. On pouvait pas se permettre de les enchaîner comme ça. J'imagine que c'est pour le début du truc. Allez, on y va, quête principale. C'est sûr. Crac. On évitera de le tuer celui-là quand on en voulant en décembre. Allez, monte. Y'a pas de phare sur le Karagor. Merde. Elle a pas peur, hein, la bestiole. Elle a pas peur, la bestiole. Bonjour les mecs, vous avez pas peur du Karagor? Non, ça va, tout va bien. La pierre de vision, nous avons besoin du Palantir. C'est parti. Minas Ithil est assiégé. Trouvez le Palantir avant que la cité ne soit perdue. Récompense? Non, je rigole, je vais pas aller jusqu'à dire les récompenses. On rigole. Calmez-vous. Calmez-vous. On a 34 minutes d'épisode déjà. Bah, à la fin de la cinématique, on va passer à autre chose. Le temps presse. Prenons les biens les plus précieux seulement. Nous devons tout sauver. Idril, il faut forcément faire des sacrifices. Je ne sacrifierai pas notre passé à la peur. Hé, hey, vous! Qui êtes-vous? Baranor, c'est le rôdeur. Je t'ai déjà parlé de lui. Ouh, déjà? Un grand défenseur de Minas Ithil.
Et nous ignorons votre nom. Talion. Le Gondor vous remercie, Talion. Mais nous avons besoin d'hommes. Le mec qui croit parler au nom du Gondor, quoi. Ils cherchent le Palantir et ne s'arrêteront pas avant de l'avoir. Où est-il ? Mon père l'a mis en sûreté. Rien ne saurait être en sûreté actuellement. Les Uruk démoliront la cité pour le trouver. Nous traversons des heures sombres. Mais nous n'abdiquerons pas. Et nous ne tomberons pas. Pas question. Pour ça, je tilte un peu parce que je sais ce qui va se passer. Hein. On sait ce qui arrive. Enfin, si vous connaissez bien l'histoire de la Terre du Milieu, et enfin, en tout cas surtout du film, des films Les Seigneurs des Anneaux ou des romans Les Seigneurs des Anneaux, vous savez ce qui va arriver à Minas Tirith. Je dois défendre les portes. Non, c'est pas par les portes qu'ils vont passer. Après le moment, t'as des armes de siège. C'est que t'as refusé de dire que la porte était la seule entrée. Selon moi. Pousse la porte. Oh, faut que j'aille défendre la porte. Boum. Mais alors ça t'apprendra. Alors il faut trouver le Palantir. Tellement. C'est le seul moyen. Il y en a tellement qui prennent cher. Et c'est pour ma gueule. Non, c'est pas. Et non, j'ai mieux que ça. Blam, dégagez tous. Blam. Désolé pour ta tête. Prends un effet ralgan. Ils sont où? Victoire. Bonjour. Ce n'était que le début. Oui. Il y en aura d'autres. Nous devons découvrir à qui nous avons affaire. Par ici. Même dame. Bien madame. Je vous obéis madame. Je suis pas... Enfin je veux dire, j'ai quand même battu la main noire de Sauron. Et sans vouloir te vexer. Je sais... Bon, j'allais dire je sais plus ou moins ce que je fais mais... Il semblerait que non. Mais merde... Laisse-moi passer. Oh putain. Ah, j'espère bien parce que vu que j'ai pris cher déjà, c'est juste que... Pousse-toi ! Voilà. Je suis passé. Qui est là ? Oh putain. La ville ne tiendra plus longtemps. Je m'occupe des bêtes de siège. Baranor et moi, nous restons ici. Ça s'appelle pas des bêtes de siège, ça s'appelle des commandes. Des animaux de canapé. Pas de compagnie, mais de canapé. Tirez sur les points faibles indiqués. Merde, il y a des points faibles indiqués. D'accord. Oh oui. Oui. Cet homme est brisé, enfin cette bête est brisée. Bonjour, je suis ton papa. Voyons ce que je peux en faire. Les voilà. Une autre bête de siège à portée. Il faut la tuer. Il faut la tuer ? Non ! Ah ! Hop là. Nettoie un minimum. Nous ne pouvons pas laisser cette bête de siège à l'épée. Dommage que nous ne puissions pas l'enlever. C'est une arme de poids. Ça c'est clair. Bon, ben voilà. C'est parti. Adieu. Adieu mon enfant. T'es sérieux, c'est tout? Oh. Ça devrait servir. Le soleil s'est levé? Impulsion de l'ombre. Ouh. Ouf. Tellement de style.
Minacity tombe. Alors hop. Ils ne tarderont pas à mettre la main sur le Palantir. Je pensais au Gondor. Désolé. Je te tuerai plus tard. 8 secondes. Je sais quoi faire ici. C'est bon, je l'ai eu. Montre-toi. Aïe. Hop là. Coucou. As-tu déjà rencontré ton papa? Voilà, je suis ton papa. Bonjour. Encore des ennemis. Ces hordes n'en finissent pas. Les armées de Sauron sont devenues immenses. Allez. Nous ne pourrons pas les vaincre de façon conventionnelle. Il nous faut le Palantir. Allez. Hop, les 80, c'est bon. Ok. C'est bon. Non, j'ai loupé. Boum, là je t'ai eu. Oh, mais j'ai pas envie de la tuer, elle est gentille. Merde, connais. Boum, bon bah voilà. Mon enfant. J'avais des jumeaux. Une autre attaque suivra sans doute. Retournons dans la ville haute. Allons voir comment vont Idril et les autres. J'ai que ça à foutre que de faire des allers-retours. Bon, cinématique et après on s'arrête parce que les amis, on a 42 minutes d'épisode, là ça fait long. Comme ma bite. Pardon, j'arderai plus. Ils ne se contenteront pas de nous détruire. Ils cherchent à effacer toute notre histoire. Hein? Tout à fait. Au moins, ils n'ont pas la pierre de vision. Ou les portes résistent. Elle et... Ces reliques étaient tout pour moi. Père avait raison. Sauvons tout ce qui peut l'être. Et partons. Vous détenez une arme très précieuse. La pierre de vision vous permet de voir votre ennemi. Servez-vous-en. C'est bien trop dangereux. Tout à fait. Le Palantir empoisonne l'esprit. Nul ne saurait lui résister. Moi si. Vous n'êtes pas le premier à vous en vanter. Et si j'ai tort, j'échouerai comme les autres. J'ai un avantage. Mais si je vois juste, nous gagnerons cette guerre. J'ai un avantage. J'ai un esprit avec des oreilles pointues. C'est ça. C'est tellement ça. En tout cas... Je vais aller voir mon père. C'est pas moche. Et lui parler. Dieu merci, ils ont amélioré le visage de Talion. Maintenant, oui, je comprends le principe elle de... Tu vas tenir parole, Rodeur. Bon, bah les amis, du coup, nous, on se laisse là pour cet épisode. Et moi, je vous retrouve dans le quatrième, le prochain. Salut les gens!